Bonsoir, on s'est démuté, j'ai oublié de changer les noms. C'est parfait. On va faire ça rapidement. Tac, 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 tac. J'espère que c'est dans le bon ordre. Hop, hop, hop. Et on est bon. L'impression que la webcam est un petit peu. Je peux. Si je peux la baisser plus. On va rester comme ça. Ils ont commencé le pick and ban des maps. Donc on va changer tout de suite de scène. On va aller dans la draft. Bien entendu, j'ai oublié de faire ça aussi. C'est parfait. Un streamer professionnel, bien entendu. Que nous sommes un streamer professionnel. On prépare bien sûr tout à l'avance. On n'a pas besoin de le faire à la dernière minute. Non, ça ne serait absolument pas drôle. Alors. Alors. Pour ces salettes, on banne salette qui sera. Oh, c'est bien ça. Qui sera bien à droite. Qui banne Golden Island. Golden Island qui est là. John Locke qui va ban Mirage. Et Peak Coast to Mountain. C'est Salette qui va Peak Fish Beach. Et African Waters. C'est bien fiche piche. Bon. Trompé, c'est pas très grave. Donc on a dit African Waters. Et John Locke qui pique Arabia en dernière HM. Oups, non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Et il banne Atacama. Et c'est ça l'aide, banne Ring Nomade. Et du coup, il reste Forest Pond. Alors là, ça va très vite, hein. Ils ont absolument pas le temps. Donc Forest Pond, pardon, qui se trouve ici. Et on est bon. Ils vont envoyer le lien du draft, pardon. Et on sera OK. En tout cas, draft très intéressante. Celle qui préfère pick des maps. Se concentrer sur l'agression, donc African Waters et Fish Beach où ça joue assez rapidement. Pardon. Mince, ça a pris ça. Terrible. Bon, on va retirer, c'est pas très grave. Hop. Bon, change, 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 change. Ah là, là normalement c'est bon. Est-ce que vous le voyez? Vous le voyez. C'est parfait. Que c'est parfait. Donc comme je disais, c'est Salette qui a pick des maps très agressifs. Contrairement à John Locke, lui qui a préféré pick des maps. On va dire classique avec Arabie. Pardon. On va tousser, j'ai oublié de prendre mon médicament. Hop, il est là. La draft a commencé, donc on a pick Coast to Mountain, qui est une map qui est quand même assez éloignée. Donc même si elle est très ouverte, on peut se wall assez rapidement si on fait son forum en haut de la carte. Et du coup on peut jouer plutôt bien macro. John Locke qui est connu.
qui est connu pardon, pour être un joueur macro. Et c'est Salette qui, à l'inverse, est connu pour être un joueur très agressif. S'ils ont été pris, et on a pick Malien en premier pour John Locke. Malien, pardon, c'est fort sur Coastal Mountain, c'est fort sur Forest Pond, c'est fort sur Arabie aussi. C'est Salette qui a pick japonais et lituanien. Lituanien, je pense, ça sera pour Forest Pond et japonais, ça sera pour Fish Beach. Et on a pick chinois aussi pour John Locke. Chinois, peut-être pour Coastal Mountain aussi. C'est plutôt fort vu qu'on a plus de péons au start, si je dis pas de bêtises. Et sinon sur Arabi, c'est aussi très fort chinois vu qu'on a c'est très polyvalent, on a une bonne écho. C'est ça, est ensuite qui pique Malais. Malais, peut-être pour Forest Pond. Et du coup, il aura toujours lituanien pour Coastal Mountain. Indien aussi pour Fish Beach, au cas où il se fait ban japonais. C'est vrai qu'on a eu un pick mongol qui se fait très tardif, alors que, pour rappel, sur Coastal Mountain, il y en a beaucoup de chasse au centre. C'est pour ça qu'on aime bien mongol. Et en plus de ça, on a African Waters qui est ouverte. C'est assez étonnant qu'on n'ait pas pris African Waters, mais on prend Kouman. Côté Cessalette, Kouman, je suis assez. Je sais pas trop, il va jouer sur quelle map, Kouman en vrai. On ne voit quasiment jamais, il pique Tatar. Tatar, ça sera pour Arabi. C'est ça, t'aimes bien les jouer sur Arabi, donc je pense que qu'on les verra dessus. Tatar, c'est très fort, hein, meilleur cible du jeu, bien entendu. Et John Locke qui a pique les Go aussi pour African Water, je pense, au cas où s'il s'est ban Mongol. C'est quand même très surprenant son first pick malien. On a eu tendance à te dire, bah, on first pick. Coastal Mountain, par exemple. Mongol, pardon, pour Coastal Mountain ou African Waters. Donc, ouais, très surprenant. Italien pour Forest Pond, certainement aussi. Ça pourrait être intéressant. Et on a pick britannique. C'est une cible qu'on n'a pas encore vue, en tout cas que j'ai pas encore vue dans les matchs que j'ai commentés. Et on a pick espagnol. Côté Cessalette, espagnol pour peut-être Coastal Mountain, faire un FC Conquistador. Est-ce que peut être possible? Les deux joueurs vont snipe une civilisation. Et je pense qu'on va ban peut-être japonais pour John Locke et ouais, ban mongol, ce qui est logique. Ce qui est logique dans cette draft. Mais du coup, ouais, le pick Kouman, je suis vraiment. Je m'interroge vraiment sur où va être pick cette cive. Parce que. Parce que Kouman, on ne les a pas encore vus. Et je sais pas où il peut les. Où ils peuvent être vraiment très forts. Peut-être Coastal Mountain. Et encore, je suis pas sûr que ça soit vraiment très pertinent. C'est pareil pour Britannique. Britannique peut-être sur Arabia. Donc on verra un Go sur African Waters, un Chinois sur Coastal Mountain, un Italien sur Forest Pond, un Malien sur Fish Beach et un Brit sur Arabia. C'est possible aussi. Côté Cessalette, on a Lituanien. Pour Coastal Mountain, le Malais pour Forest Pond, Indien pour Fish Beach, Tatar pour Arabi et African Waters. On a Kouman. Très surprenant ça, en tout cas. Très 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 surprenant. ID de game est envoyé.
Ok, ça a été créé. Ils sont dans le lobby. Je vais vous laisser la draft en attendant qu'ils lancent la game. Ok, non, ils ont pas encore lancé, ils sont toujours dans le lobby. Ils sont toujours dans le lobby. Mais en tout cas, ça annonce un beau match là entre les deux joueurs. Donc pour rappel, le Elo, John Locke est actuellement 1794 en 1v1. Et sa sellette est 1803. Donc c'est quand même deux Elo très très serrés. C'est Sahel qui a beaucoup de games. Hein. Il a 2000 games en 1v1. Ce qui est assez conséquent, on va pas se mentir. Et John Locke qui en a à peu près. Si mes calculs sont bons. Parce qu'il se fait tard et que maths c'est compliqué. Il a à peu près 700 games en 1v1. Ouais, c'est ça, un peu plus de 700 parties en 1v1. Donc voilà. Pour le profit des deux joueurs. Et j'ai l'impression qu'ils ont lancé. Je vois plus leur partie dans le lobby. On va croiser les doigts pour que ça ne bug pas. J'arrive pas à les trouver. On va essayer avec le pseudo d'un joueur. Marche toujours pas. C'est fantastique en tout cas. Que c'est fantastique ce jeu. Nope. Nope, nope, nope. Bon, je crois qu'ils ont pas désactivé le mode spectateur. Ah, ok, c'est bon, on l'a trouvé enfin. Parfait. Et du coup, on a Italien contre Malais. Je vais vous changer la scène. Hop. Je vais juste remodifier un petit peu les pseudos pour qu'ils soient pas, qu'ils soient bien visibles plutôt. Alors, on a peut-être le son du jeu un peu fort là. Je vais le baisser. Alors, on a et John Locke avec Italien contre un Malais. Donc Malais, c'est une cifre qu'on voit très régulièrement sur cette carte. Pourquoi? Parce que on passe les âges plus vite. Du coup, bah, on peut très rapidement à faire des fire même si je trouve que c'est peut-être pas la meilleure des cives dessus, même si c'est très fort. Je pense qu'il y a des cives qui sont un petit peu meilleures, par exemple byzantin ou même lituanien, qui peuvent être vraiment très très bonnes. Mais voilà, après on a choisi Italien. Italien c'est fort aussi parce qu'on passe les âges beaucoup plus tôt. Pourquoi? Parce qu'on peut cliquer plus tôt pour la simple et bonne raison que les passages d'âge, enfin le coût des âges est moins cher. Au lieu de d'avoir besoin de 500 de nourriture pour cliquer l'âge, on en a besoin de 425. Donc c'est quand même une grosse différence de nourriture. Je vais accélérer un petit peu ce start classique que on a généralement sur
sur Forest Pond, je sais pas pourquoi je voulais dire Ring Nomade, mais pas du tout. Les deux joueurs sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Niveau des reliques, c'est à peu près équivalent, j'ai envie de dire. C'est Salette a quand même deux reliques qui est très très proche de son de chez lui. Et John Locke, lui, il a on va dire trois reliques qui sont pas très loin, mais en même temps il a deux reliques qui sont très très centrées. Donc ça peut être compliqué pour ce contrôle des reliques. Et on a rattrapé le direct, j'ai l'impression, ouais. Niveau placement de ressources. Bah ça va en vrai pour ses salettes, il peut se murer très rapidement ici s'il a peur d'un forward par exemple. Et du coup ça pourra lui protéger son or. Sa pierre ici est un petit peu sensible, mais bon. Et John Locke lui, pipe, mais avec de l'or cette fois-ci. Il pourra murer très rapidement aussi ce côté-là pour protéger son or qui est présent juste ici. On est outside pour John Locke, mais pas très longtemps, donc bon, c'est pas très très grave. Ça ralentit un petit peu sa prod, mais bon, d'une ou deux secondes, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Les deux gens ont plutôt de la chance sur leur poisson côtier. La faille de scout qui est prise, et ah ouais, c'est mitigé là. Hein. On sait pas qui a donné le premier coup. Et on va voir la bonne faille de scout là, à voir celui qui baisse les yeux en premier. Ah ouais, je pense John Locke gagne. Ah non, pas du tout. C'est Salette qui gagne cette faille de scout et c'est très important d'avoir son scout en vie. Ça permet tout simplement de d'avoir la vision déjà sur la base parce que là John Locke, il sait pas du tout où est son opposant. Bon, il a vu une extra pierre ici, du coup il peut se douter que la base de ses salettes est pas très très loin. Mais ses salettes, lui, bah, il aura la confirmation visuelle. Il sera sûr à 100% de où est la base de John Locke. Et surtout, il pourra prendre l'information des forwards éventuels qu'aura envie de faire John Locke si par exemple il perd l'eau. Ou bien bah, tout simplement le positionnement des ressources. Vu qu'il voit déjà une or là, il va voir la pierre ici et l'or ici. Donc c'est des informations plutôt importantes. On a cliqué plus tôt pour John Locke, ce qui est logique. Comme on l'a dit, on est italien, on peut cliquer plus tôt. Mais le joueur malais va passer plus vite. On voit que son passage d'âge pardon, a rattrapé celui de John Locke. Est-ce qu'ils ont fait métier à tisser? On a fait métier à tisser pour ses salettes, on n'a pas fait métier à tisser pour John Locke. Ah, très bien. En tout cas, on vient de passer féodal et on peut sortir déjà des fire pour ses salettes. C'est un gros gros avantage. Est-ce qu'il va faire 3 ports ou seulement 2? En tout cas, on part sur 3 ports pour John Locke. On va faire un troisième port pour ses salettes. Pour être sûr de gagner cette eau. En tout cas, ces premiers navires d'incendie qui vont sortir. Alors que les navires d'incendie de John Locke, lui, sont qu'à la moitié. Donc on a quand même un petit avantage, on pourra sniper ses fiches plus tôt. Et sniper les fiches, c'est quand même très très embêtant. C'est comme si c'était 3 péons, tout simplement. C'était comme si c'était 3 villageois, donc les faire à AFK ou les détruire, c'est embêtant. Le premier fire de John Locke qui sort. On la répare tout de suite, hein, on veut pas le perdre. Par contre, attention à ces salettes de pas perdre ces navires d'incendie trop bêtement. Niveau bateau, ils sont à peu près équivalents. On a sorti un navire de démo, par contre, ça peut faire énormément de dégâts, il faudra faire attention pour John Locke. D'ailleurs, on le cache, on veut pas que son opposant ait cette information. On décide de prendre la fight.
On essaie de micro un maximum ces galères. La navette de démolition qui va être présent, qui ne va pas réussir à faire assez de dégâts. Ok, elle a réussi à détruire au moins un fire et à faire un petit peu de dégâts sur un second. Du coup, c'est Salette qui arrive à reprendre ce lead. Mais attention, la riprod de John Hawk qui est quand même présente et qui fait pas mal de dégâts. Du coup, c'est Salette est obligé de back. Il a perdu trop d'HP sur ses fire. Attention à pas en perdre plus que ça. On a des navires de démolition qui vont aussi sortir côté John Locke. Le navire de démolition qui vient d'être sorti, on répare tous ses bateaux. C'est très très important de réparer ses bateaux. Attention à pas gaspiller son navire de démolition sur un fire random. Et attention à pas prendre un trop gros shoot pour ses salettes. Salette qui essaie de bien micro. Et c'était un démo pas très rentable, malheureusement, côté John Locke. En tout cas, on a ressorti un démo. On n'a snipé qu'un seul, malheureusement. Donc les deux joueurs qui n'ont pas fait des navires de démolition très rentables. Tout de même. Et on est en train de faire beaucoup de fermes là. Pour ses salettes. On prend une grosse grosse fight là au centre et j'ai l'impression que c'est une fight gagnée pour ces salettes en vrai. Qui gagne plutôt bien cette fight. Je vois la ressource de John Locke. John Locke qui accumule beaucoup de bois. Il devrait faire... Ah voilà, j'allais dire un moulin pour pouvoir faire un marché et essayer de rééquilibrer son économie. Par contre attention, ces salettes à pas s'endormir sur sa micro des fire. Niveau économie, c'est Salette qui arrive à mieux organiser son écho que son opposant, qui a un petit peu de mal avec la nourriture. En même temps, il s'est fait sniper tous ses fiches, donc c'est très embêtant. Que c'est plutôt embêtant. On a plus de navires côté ces salettes, mais ils sont aussi plus lourds, donc on va les réparer tranquillement. En train de faire la brouette pour ces salettes. Après, il a 7 fermes. Peut-être il veut envisager un âge des châteaux après cette brouette. Potentiellement. Moi, je pense que c'est pour ça. Mais généralement, la brouette, on la fait assez tard, vu que si on gagne l'eau, bah on fait des fiches avec Malet. Après, c'est vrai que là, il a un petit peu de mal à gagner cette eau. Donc, c'est quand même assez compliqué de tout miser dessus. Et il va perdre ses navires de pêche en plus de ça. On a beaucoup de navires de fire. Par contre, attention aux démolitions qui fait un bon shoot là. Qui met mid-life 2 navires dans 70. Qui permet à ses salettes de regagner cette eau. Un petit peu plus facilement. J'ai peut-être parlé un petit peu trop vite. Mais j'ai parlé trop vite malheureusement. Quoique on a deux fire très très low. On va essayer de bien micro. Non, ok. C'est ces salettes qui gagnent cette eau. Et on a vu des archers pop. Donc on va vouloir jouer archer pour John Locke. C'est Salette qui investit toujours dans l'eau. Attention à ses AFK. On a 8 AFK, ce qui est un petit peu beaucoup. On va rush un marché pour peut-être essayer de passer château très rapidement. En jouant avec le marché justement. En tout cas, les premiers archers de John Locke qui sortent. On a cliqué château pour ses salettes, contrairement à John Locke, lui qui n'a toujours pas cliqué malheureusement. Et qui a complètement arrêté l'eau. Et ses salettes a aussi arrêté de jouer l'eau, il a juste fait ses fire là. Et je pense qu'il a bien senti le move là, de pas trop surinvestir sur l'eau maintenant. Du coup, il va pouvoir détruire ses ports italiens. Et pouvoir fish boom tranquillement. D'ailleurs, les navires de pêche qui sortent
Énormément. Par contre, attention, John Locke a pas fait découvrir ses archers, ça serait un petit peu dommage de donner cette information-là à son opposant. Est-ce que ces salettes l'a vu? On n'a pas de caserne côté ces salettes. Mais ce qui est assez étonnant quand même, hein. C'est quand même assez étonnant. On vient de passer château en tout cas. Et on pose un forum. Plus un ETU de siège pour la défense. On sait qu'on va se faire agresser avec des archers, donc on veut faire un atelier de siège défensif pour ne pas pour être protégé tout simplement. Et en fait des scorpions défensifs, scorpions, ouais, c'est bonne réponse, ça coûte pas très cher et puis ça peut bien défendre. Par contre, attention à l'atelier de siège forward qui peut se faire. Bon, je pense qu'on a délaissé ses murs pour pouvoir poser un forum. Parce que l'atelier de siège forward plus Mangono, ça va contrer les scorpions. Donc attention à ça aussi. En tout cas, on est en train de faire crossbow plus le plus 2 d'attaque pour John Locke. Qui va partir sur 3 TC. Donc il va partir sur de l'archer plus 3 TC en tout. Et la galère qui va être gênante quand même sur ces fermes. Et les archers qui peuvent faire pas mal de dégâts quand même sur ce bois là qui est très très sensible. Est-ce que John Locke l'a vu? Il l'a pas vu malheureusement. Qu'il ne l'a pas vu, mais ses salettes le sentent. Du coup, il va refaire un camp de bûcheron un petit peu plus haut. Et on va peut-être sniper un petit villageois ici. On a un villageois qui est mort. Ok, vu qu'on n'a pas balistique, malheureusement, on va pas pouvoir en sniper un second. Et ça fait quand même pas mal de dégâts. C'est qui a quasiment 10 villageois d'avance, déjà parce qu'il est passé château bien avant. Et puis parce qu'il a les navires de pêche sans production. Donc forcément, c'est pas trop mal. C'est Salet qui est en train de miner pas mal de pierres, donc qui veut poser un château défensif pour être sûr d'être bien protégé. Et qui est pour le moment que sur 2 TC. On a beaucoup d'unités de siège côté Cessalette, c'est assez impressionnant. John Locke qui voit l'atelier de siège, il sait qu'il y a un petit drapeau dedans. C'est quand même risqué de rester à côté. Que c'est très très risqué de rester à côté de cet atelier de siège. Où un Mongono peut sortir à n'importe quel moment et clean toute son armée. Donc il doit être très très attentif à ça. Et on a un château proposé par ce joueur malais. Ouais, il est assez étonnant ce château. C'est un château très très défensif. Est-ce qu'on ne l'aurait pas plutôt vu ici? Après, il a aucune information de ce que fait son opposant. Donc c'est quand même très risqué de vouloir poser un château quand même sur cette colline. Mais pourquoi pas, côté John Locke, on a 3 TC. Niveau villageois, on est toujours en arrière, parce qu'en plus de ça, on continue à faire des fiches pour ces salettes. Par contre, attention, ces salettes qui ne produisent plus du tout de villageois. Qui a un petit souci économique là. Il a un petit souci économique. Il va partir à Archer. On a la riprod de John Locke qui est présente et qui va essayer de retourner sur ce bois pour faire un petit peu de dégâts. Malheureusement, il va pas pouvoir tuer de villageois parce qu'ils sont trop éloignés. Enfin, un atelier de siège défensif aussi pour ce joueur italien. Soit
C'est un petit peu le fouillis là dans l'économie de John Locke, de cette salade, je veux dire à John Locke par contre qui va rentrer et un scorpion va sortir. On va peut-être réussir à snipe un villageois, ça dit en tout cas 7 or, mais on a des scorpions qui vont être présents en défense. Du coup, John Locke risque de tout perdre dessus. C'est un move très 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 risqué. Après, est-ce que c'était vraiment rentable? En tout cas, il revient au nombre de villageois. Rappel, ces salettes avaient 10 villageois d'avance. Et il perd tous ses archers. Donc, move rentable. Je pense que oui, en vrai. C'est plutôt un bon move. Vu que ça lui a permis de sniper pas mal de villageois. Ça a permis de revenir un petit peu à ce nombre de. À revenir au même nombre que son opposant. Par contre, on a les scorpions et les mangonos qui vont attaquer ce forum. Mais John Locke est pas naïf. Il avait déjà préparé l'atelier de siège et le mangono qui va sortir. Et on doit le voir là à côté de John Locke. Sa forge en plus de celle qui vient d'être détruite, on rentre les villageois dans le forum. Et le mangono qui va être présent pour sniper le siège malien. Ok, on a déjà un mangono en moins. Et le second, on fait du 1 pour 2. C'est très très rentable ce que nous fait John Locke ici. On a posé un autre château. Et on va poser un troisième forum pour ce joueur malien. Les scorpions quand même qui sont toujours très gênants. Et aux villes, on a repris le lead. Côté John Locke, on a 93 perons à 86. On essaie de bien micro ce scorpion. On a pris un petit peu de dégâts, mais sans plus non plus. Par contre, attention à pas mourir sous les fire. Fire, ça fait très 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 mal à ses archers. À bien refaire ses comptes bûcherons, c'est très important. Ils le font très très bien, les deux joueurs. L'université qui va être pop, il avait pas déjà une université, John Locke? Ah non, pas du tout, c'est moi qui délire. Mais on va cliquer impérial, je pense, à la fin de cette université. Par contre, on a deux marchés, c'est pour être sûr d'avoir les meilleurs prix. Et côté ces salettes, on va avoir un petit peu de mal à cliquer, surtout qu'on veut full up ces archers avec un petit bac de pouce. Par contre, c'est dommage qu'on n'ait pas la dernière tech de def. Qu'il n'a pas la dernière tech de def, c'est un petit peu dommage cette histoire. Mais bon, on voit la force des malins, on a 11. 11 pièges à poissons, donc c'est comme si on avait 11 villageois en plus. Et avec ça, on est équivalent par rapport à son opposant. C'est vrai qu'il a cliqué fait impérial, je veux dire. Mais par contre, attention, les archers de ces salettes qui sont en sous-nombre face aux archers de John Locke qui va arriver impérial. Donc il aura les takes un petit peu avant, même si ces salettes viennent de cliquer. On récupère les reliques en tout cas. Pour ce joueur malien. Et on fait un autre forum. On a essayé de prendre la vision avec des tours de guet, ce qui est plutôt important. Par contre, attention ici, John Locke qui va peut-être donner ses archers. C'est dommage. Que c'est dommage de donner ses archers maintenant. On a 4 forums en tout. Ah non, on a que. Oui, non, 4 forums. On sait compter. C'est Celeb qui met une petite pause tactique. En tout cas, à voir combien il a de reliques en tout. Les reliques, les reliques. Il en a récupéré une. Où est son monastère? Il est là. Donc il a deux reliques. Il y en a une autre ici que John Locke va récupérer. Ah,
pas mal de pauses apparemment. Et Jon Snow qui est en train de faire les techs de la cavalerie. Est-ce qu'il veut partir cavalier? C'est possible avec Italien, ils ont plutôt des bons, de la bonne cavalerie. Mais ça fait quand même. Ça coûte très très cher en or. Que ça coûte très très cher en or. En tout cas, il se prépare à se murer à gauche. Il met des châteaux défensifs pour protéger son économie au mieux qu'il peut. Ok, c'est reparti. On a cliqué le balistique. Bague de pouce qu'on a annulé du coup. Côté ses salettes. Pour pouvoir justement cliquer l'impérial plus tôt. Et on arrive. Imp. Quasiment au même moment en vrai pour les deux joueurs. C'est vraiment très fort malais à cause de ça. Donc du coup, on va faire brassard. On va faire arbalétrier lourd. En train de faire balistique. En fait, des ateliers de siège à droite. Est-ce qu'on a... on n'est pas en train de faire chimie? Côté, par contre, c'est salette. On est en train de faire bague de push, chimie. Mais par contre, les up, aucun arbalétrier qui arrive. On n'a pas brassard, malheureusement. On n'a pas brassard. Le prix du marché, il a combien? Il pourrait vendre un petit peu de bois là quand même pour acheter un petit peu de nourriture, ou même juste acheter de la nourriture sans vendre du bois forcément. Pour pouvoir cliquer toutes ces up. Parce que là on va se prendre une bonne pression. Jon Snow qui va pas pouvoir push parce qu'il y a quand même un TC. Malheureusement il est pas sarrasin donc il peut pas faire tomber ses formes très rapidement. On va poser une deuxième forge. Parce qu'on a beaucoup de tech en cours qui est en train d'être faite. Et comme on veut partir cavalier, enfin en tout cas sur de la cavalerie, c'est plus rapide de faire deux forges pour pouvoir faire toutes ces techs. Par contre, c'est Salette lui qui reste sur du full archer, il veut pas faire de transi. Ok, bon. Autant pour moi, on a de la cavalerie qui est en train d'être pop en bas. Et qu'est-ce qui va nous faire ce bon Cessalette? Est-ce qu'il va nous faire éléphant? Ça me semble quand même très peu probable, même si ça coûte moins cher avec Malais. C'est pas non plus foulichon foulichon. Mais je pense qu'il va juste vouloir raid l'économie de son opposant. Jon Snow, lui, qui est en train de préparer ses écuries tranquillement. Et par contre la fight qui est prise en haut, c'est une très très mauvaise fight ça pour Jon Snow parce qu'on a énormément d'archers pour ses salettes. Et du coup on a tout, enfin on a perdu une grosse partie de son armée pour Jon Snow. Et en plus de ça on snipe quelques villageois. Et du coup ça va partir light cave pour ce joueur malais, je vais dire malien, mais non, c'est malais, pour pouvoir harasser l'économie à droite. Et Jon Snow fait pareil, il va faire de la light cave. Je sais pas s'ils ont hussard les Italiens, je crois pas. En tout cas, pas de mémoire. Mais en tout cas, ça sera quand même des meilleurs light cave que ceux de Cessalette qui n'ont que le plus 1 de défense, malheureusement. Et on va avancer avec des châteaux tranquillement. Assez étonnant qu'on fasse pas de tirailleurs, qu'on reste sur du full archer. Après l'avantage des archers c'est que ça va pouvoir tuer la cave très facilement, contrairement à des tirailleurs, donc c'est peut-être pour cette raison. Et on a deux reliques à 3 pour le moment. Et niveau contrôle map, je dirais c'est à peu près équivalent quand même. C'est celle qui contrôle le haut de la carte, mais Jon Snow qui contrôle le bas de la carte.
on a les raids avec cette light cave, pardon, qui arrive. Est-ce que ça sera pas pertinent de juste stonewall pour empêcher ces raids de pas forcément s'en occuper? Par contre, c'est vrai que là il y a un petit souci côté John Oak, on est full pop mais on n'a rien pour push, du coup bah on a un château. Et c'est sa lettre, lui va pouvoir commencer à comment s'appelle à push son opposant. Ok, pardon, j'avais pas vu ce trébuchet qui est présent. Mais on a tellement de trébuchets côté ces salettes, on les a bien protégés, on les a gardés au chaud. Et en plus de ça, on a un canon bombarde pour pouvoir sniper les trèbes de son opposant. Par contre, les hussards qui vont faire pas mal de dégâts, on fait une porte en palissade et on se fait trèbes en bas. On se fait complètement trèbes en bas. En tout cas, une grosse fight a été prise en haut. Et on se fait snipe son. Trébuchet pour John Locke. Et on se prend les bons shoots aussi de canon bombard dans sa masse d'archers. Ce qui fait plutôt mal. On va pas se mentir. La fight qui est prise, mais on a les trébuchets quand même qui tankent plutôt bien ses archers. Et je pense qu'on va peut-être arriver vers un GG là. On a perdu toute son armée pour John Locke. Donc on a perdu toute son armée pour ce joueur italien. Et bah c'est Salette qui continue à push tranquillement le château qui va tomber. Et en bas on se fait raid, donc bon on se défend avec notre propre light cave. Mais c'est quand même compliqué vu qu'on n'est pas full wall. Et on va pouvoir avancer tranquillement, les canons bombardes aussi qui sont présents aux côtés de John Locke pour essayer de snipe ses trébuchets. Mais malheureusement on n'a rien pour les protéger, on les perd. On les perd plutôt bêtement ici. En tout cas on va réussir à snipe ce trèbe en bas plus un canon bombard. Par contre on se fait deny complètement son nord. Ça va être très très compliqué pour ce joueur italien là de revenir, parce que les trébuchets qui vont s'en donner à cœur joie sur tous les bâtiments et on va les détruire un à un. Par contre la raid pour John Locke qui est forcément plus proche, du coup ça va clean tous ses archers de ses salettes. En bas c'est recontrôlé. Et comme j'ai dit la prod de Hussard de la cave pardon qui est constant chez ses salettes en bas. Et on réattaque pour John Locke, mais il a toujours pas de siège, il a qu'un seul trébuchet malheureusement. Faudra juste qu'il stonewall ici John Locke, et il est pas trop mal hein, contre les raids. On essaie de, en tout cas de très très bien micro pour esquiver ces tirs d'archers et pour les tuer au maximum. Niveau péon par contre il a pas beaucoup de péons là c'est Salette, il a dû en supprimer beaucoup pardon. Il est redescendu à 97 péons et le reste c'est que de l'armée, il a 181 de pop. Encore une fois, il a quand même du mal à push son opposant alors qu'il a beaucoup plus d'armée. Et John Locke, lui, qui va se bagarrer sous ce château avec Salette Cave qui tank pour essayer de gratter quelques archers. On a réussi à snipe un trébuchet. Donc cette cavalerie qui est plutôt rentable. On a bien eu ça côté italien. Qu'on est au courant, on va pouvoir snipe beaucoup de péons et surtout le siège de ces salettes qui va dépérir ici. Et on va essayer de reposer un autre château très rapidement défensif. On a quand même trois châteaux de ce côté là. En haut c'est le statu quo hein. On n'attaque pas pour les deux joueurs. Malheureusement John Locke comme j'ai dit il manque un petit peu de siège ici pour pouvoir push. Et on a sorti un canon bombard pour pouvoir certainement casser ses châteaux. Le trébuchet qui sort. Et on réoriente l'attaque pour ses salettes. Salette qui veut tenter d'attaquer en bas. Par contre, attention à ne pas perdre ses archers. John Locke qui perd beaucoup d'archers sous ce château. Et ses salettes aussi. Ils ont quasiment le même nombre d'armées, pardon.
Oui, torché aussi, ça marche. Ça marche, ça marche. Et le château qui va tomber de ses salettes. Glenlock, est-ce qu'il a beaucoup de pierres? Il a pas beaucoup de pierres en vrai, alors qu'il a pas fait beaucoup de châteaux, contrairement à son opposant. Enfin, son opposant avait un bon contrôle map. Et c'est cette pierre-là qui est deny en même temps par ses salettes. C'est pour ça que Glenlock en avait un petit peu moins. En tout cas, les trébuchets qui sortent et qui vont commencer à trèbe ce château. On a essayé de snipe ce petit trèbe avec la light cave malais, mais comme j'ai dit, on n'a que le plus 1 de défense, du coup c'est très 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 fragile. D'ailleurs, je crois qu'on n'a même pas ligne de sang. Donc, pour pouvoir snipe des ressources, c'est quand même assez compliqué cette histoire. Niveau or, on commence à être un petit peu tendu là. On commence à être un petit peu tendu, on a quand même 3 reliques, mais ça peut être très vite compliqué. Pareil pour John Locke, où c'est pas facile facile, mais par contre, c'est Salette qui va perdre tellement d'unités de siège ici. C'est un move extrêmement rentable pour John Locke, et qui arrive à renverser la cadence. Par contre, on pourra sniper ce canon bombarde. On va vouloir sniper les trébuchets plutôt, les béliers, pardon. Mais le canon de bombarde qui tombe. Et on peut re-snipe encore des trèbes ici. Et on a plus d'or pour ces salettes. C'est les derniers archers. Faudra faire tirailleur. Quand ça va faire un petit peu plus de ferme pour pouvoir sortir tirailleur et light cave. Après, si ça arrive en post 1, les Malais ont la ligne. Ont les fantassins épées à deux mains qui ne coûtent pas d'or, qui coûtent que de la nourriture, du coup ça peut être très 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 fort. Mais malheureusement, on perd tout son siège. Et c'est compliqué pour ces salettes qui se fait repousser des deux côtés, qui est en train de perdre sa cave contre les hussards italiens. Les hussards italiens qui font vraiment le café. On fait maçonnerie maintenant, c'est un petit peu tard. Bon, c'est bien de le faire quand même. Mais ouais, un petit oubli. Nous qui avons vendu la peau de John Locke au début là, enfin au début château. Enfin plutôt début 1 quand il faisait push. Finalement, il arrive à retourner la situation en sa faveur et il est en train de raider l'économie de ses salettes qui a de plus en plus de mal à tout faire parce que bah il a que 68 péons tout simplement. Donc pour produire de l'armée constamment c'est très compliqué. Alors que John Locke lui est sur 108 péons en tout. Il est en train de dépush tranquillement en haut. Par contre, malheureusement, le fait que John Locke mette du temps à détruire tout ça, ça permet à ses salettes de regrouper son armée qui continue sur Light Cave. Et je sais pas pourquoi il fait pas juste piquer tirailleurs. Parce que le problème de sa Light Cave, c'est qu'ils sont vraiment trop fragiles. Le fait qu'ils aient que le plus 1 de défense, c'est très compliqué. C'est vraiment très très compliqué. Il va ressortir du siège encore une fois. Et malheureusement, il va se faire raid constamment par ses hussards. Heureusement qu'on a des bons châteaux en défense, mais bon. Est-ce que ça va être suffisant? Je suis pas sûr. La fight en tout cas qui est prise par ses salettes et il se fait repousser. Et on a les hussards dans le son écho. Bon, on n'a pas beaucoup de péons ici. Et comme par hasard, quand je dis ça, on renvoie des villageois pour ces salettes qui vont se faire sniper.
Et c'est le GG de ce joueur malais. GG logique là, hein. On se fait des push. Et malheureusement, on a voulu forcer sur la late cave malais. C'est compliqué tout de même. Que c'est compliqué. En plus de ça, il se fait agresser en bas en même temps. Donc c'est pas simple cette histoire, que c'est pas simple. Mais en tout cas, GG à John Locke là qui est revenu. Qui est revenu dans la game. John Locke 1-0 pour le moment. Il n'y a pas l'ID de la prochaine, donc ils vont pas tarder à la faire. Je vais changer d'overlay pour qu'on retourne sur cette draft. Hop là. La draft. Du coup, on a pick italien et on a pick malais. Pour rappel, c'est celle-là, t'as pick Fish Beach et African Waters. Donc je sais pas trop, il va piquer quoi comme map en vrai. Que je sais pas trop, il va piquer quoi comme HM. Peut-être Fish Beach en vrai. Ça pourrait être intéressant, Fish Beach. Ok, ils sont encore dans le lobby. On voit pas la HM qu'ont décidé de prendre les deux joueurs. Ils ont déjà lancé. Alors c'est juste un bug d'affichage. Ils ont peut-être déjà lancé. Pas de temps à perdre après cette game qui était plutôt longue, on va pas se mentir. J'arrive pas à trouver la partie. Bah nickel. EB, ni quel. Ok, ils ont pas lancé, c'est Fish Beach qui sera joué du coup. Fish Beach, pour rappel, on a quoi comme sieve? On a Indien côté ses salettes et on a je pense Malien, je dirais pour John Locke, sur cette carte. Donc je pense que c'est les deux piques qu'on verra. Bon, en tout cas, j'arrive plus à trouver la game, ils ont dû lancer. Parce que je n'arrive plus à la trouver dans le lobby et dans le Spectate Games. Ah, ils ont lancé. Moi, j'en ai enfin trouvé la partie. Hop là. Et on s'est complètement trompé. Donc, oui, non, c'est bon. On est bien sur OBS. On va changer la scène. Et du coup, on a Go et Lituanien sur cette carte. Intéressant, en tout cas. Intéressant. Pique des deux joueurs. Et on va chercher le bois directement pour ces salettes. Donc on veut jouer avec un port et faire des bateaux. On veut pas contrôler le centre en premier. On veut pas contrôler ce centre en premier. Et du coup là c'est pertinent de prendre les oies d'abord.
Parce que vu qu'on veut faire un dock très rapidement, on aura besoin de bois pour faire ce dock. Du coup, on n'a pas trop envie de poser un moulin tout de suite. On va voir si c'est rentable comme move, mais je pense que ça l'est. Hein. Parce que ça va faire des villageois en plus côté ses salettes. Ah, ok, il décide quand même de faire son moulin maintenant, donc il va pouvoir poser le dock plus tard. Okay, il a que 4 villageois en vrai. Je crois que généralement on en met 5. Même avec lituanien. Après ça lui permet de faire un drush très 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 tôt. Que ça lui fait permet de faire un drush très très tôt, d'avoir déjà les 4 au bois. Donc c'est peut-être ce qu'on verra. Après le souci c'est qu'il est contre un go et go l'infanterie coûte moins cher. Donc on peut un petit peu plus les spammer. Je suis désolé, je pense que je me suis endormi tout seul. C'est parfait. En tout cas, on essaie de se faire un petit fight de scout. Bon, alors souvent, ces salettes, t'as perdu pas mal de PV sur son scout. C'est un petit peu dommage. John Locke, qui a pas fait de camp de bûcheron, il va faire une caserne avant pour pouvoir faire justement ce drush. Et on pose aussi sa caserne pour ses salettes. C'est vraiment très très fort, lituanien. Ça lui permet quand même d'avoir un moulin plus 50 bûcherons est quand même posé au même timing qu'un autre joueur qui a fait juste un moulin, sa caserne, tout en produisant en continu ses villageois. Il a même un petit avantage niveau péon, j'ai l'impression. Par contre, on décide de se fight et on va perdre son scout pour John Locke. C'est dommage ça. Que c'est dommage. En tout cas, les premiers miliciens qui vont arriver des deux côtés. C'est marrant cette colline, on n'en voit pas énormément en vrai des collines sur cette carte. Surtout avec une ressource dessus. Après l'avantage du go c'est qu'il pourra faire médiatiser très très rapidement. D'ailleurs c'est instantané médiatiser, donc pour défendre contre ce drush ça sera assez efficace. C'est Salette qui lui a cliqué et médiatisé maintenant. Bon c'est pour se prévenir du drush. Et John Locke attaque, enfin en tout cas il essaie de mettre de la pression. Il va attendre d'avoir un petit peu plus de miliciens, il attend son dernier milicien. La fight qui est tentée, par contre attention à ne pas perdre son scout trop bêtement non plus. Pour que cesse sa lettre. Le troisième milicien qui arrive. Et cesse sa lettre, lui a un petit peu de mal à sortir 3 miliciens. Ok pardon, il était déjà sorti. Autant pour moi. Et on va essayer de prendre la meilleure des fights possible. Attention, on est sous colline là pour ce joueur go. Et on va faire une pause apparemment. On va faire une pause. Ce qui va nous permettre de boire un petit coup. Ok, la pause qui est retirée. On recrée des miliciens des deux côtés. Attention aussi, on a les villageois qui n'ont pas médiatisé, pardon. Attention à ça pour ce go. Il n'avait toujours pas fait sa transi à l'or. Ah si, il a quand même gratté de l'or, il n'avait juste pas le bois suffisant pour faire les casernes. Et il arrive à quand même prendre cet avantage milicien en snipant un milicien adverse. C'est plutôt une bonne opération ça. On va reposer un autre moulin. Côté de les deux joueurs, ok, non, c'est une habitation là parce qu'on est à Oussed. Ah, fight qui est prise et au micro, très très bien son milicien pour John Locke. Très très bonne opération ça. Par contre, il perd quand même la fight. Ok, il perd la fight de pas beaucoup. On avait peut-être un milicien en plus.
pour ses salettes. Ou peut-être on avait peut-être un petit peu plus été sous colline pour John Locke. En tout cas, ouais, assez étonnant quand même qu'il perde cette fight de miliciens. Et on continue à en produire constamment. Hein. On n'est pas là pour arrêter d'en produire. Par contre, là, John Locke qui va pouvoir reprendre cet avantage. Niveau armé, on a 3 contre 4. Et on temporise un maximum au-dessus de cette colline. On a recréé un autre militia. On fait une deuxième caserne pour ces salettes. On fait deux casernes. Eh ben, ça, on n'en voit pas tous les jours. Deux casernes à l'âge sombre. La fac qui est de nouveau prise, mais cette fois-ci, on a des villageois pour ce joueur lituanien. Du coup, on prend quand même un bon avantage ici. On prend plutôt un bon avantage. Et maintenant qu'on a deux casernes, on peut produire sur les deux casernes, sachant que 1500 ça coûte pas non plus très très cher en or. Et la faille de miliciens qui est reprise, on essaie de micro un maximum pour John Locke, mais on a des miliciens très très low. Et on a une grosse reprod côté Cécilette. On essaie de prendre la colline pour les deux joueurs. Colline très très importante. Et c'est Cécilette qui gagne en vrai. Il a plus d'armée. Mais John Locke a la colline. John Locke n'est pas au courant de cette deuxième caserne qui pourrait changer pas mal de choses. On construit une deuxième caserne aussi pour John Locke. On la construit maintenant. Et on essaie de prendre la fight ici. On a un petit peu sur colline pour ce joueur lituanien. Mais on perd quand même la fight. Qu'on perd cette fight. On a toujours plus d'armée côté de John Locke. Là, et on a toujours pas sa caserne qui pop. On essaie de faire un ville war en haut. Et sniper un péon. Niveau péon, on n'a pas regardé, mais on a 32 villageois à 30. Donc on a 2 villageois d'avance. Pour ce joueur lituanien. On a pensé à refaire 50 bûcherons. Tout malin, il a une grosse forêt là, John Locke, ce qui est intéressant. Et on va essayer de deny ses poissons côtiers. Et c'est plutôt bien réussi, ça fait pas mal d'idle du côté de chez Cessalette, mais on essaie de faire la même chose. Marche un petit peu moins bien malheureusement. On essaie de prendre la colline pour ce joueur lituanien pour essayer d'avoir la meilleure défaite tout possible, mais malheureusement on a la colline côté John Locke. Du coup on gagne cette fight et on a cliqué féodal en plus de ça pour ce joueur go. Et on a toujours pas mis cliquer métier à tisser. Hein, métier à tisser, c'est secondaire dans ce jeu. Pas très utile apparemment. Et on va essayer de prendre cette fight contre les villageois, mais c'est quand même compliqué. Les deux joueurs qui ont beaucoup de miliciens chacun. On a 11 miliciens contre 10. Et en plus de ça, on a les villageois qui sont présents. On va réussir à sniper un villageois qui n'a pas métier à tisser. C'est terrible ça quand même. De la part de John Locke, pardon, je me grattais. Ah, c'est terrible ça de pas faire métier à tisser avant de cliquer féodal. C'est à rappeler, métier à tisser pour l'ego c'est instantané. Donc vraiment, c'est très étonnant qu'il ne l'ait pas fait. On essaie de prendre cette fight, mais c'est Salette à la colline. Et je pense que c'est une fight quand même gagnée par John Locke. John Locke qui a dû surbooster ses miliciens parce que j'ai l'impression qu'il a perdu très peu de fight à chaque fois, alors que j'ai l'impression niveau armée c'était quasiment équivalent. On vient de passer au féodal, on fait man at arms et ça risque de call le GG en vrai. Et c'est le GG qui est call pour ses salettes, même s'il a plus de score.
C'est. On est contre un joueur qui est en train de cliquer Man at Arms, donc il va avoir des Man at Arms. Et nous, on est tellement loin de cliquer Féodal que c'est compliqué cette histoire. Que c'est compliqué. Par contre, ouais, c'est Salet qui a fait des fermes plutôt que récupérer ses éléphants. Assez étonnant quand même. Assez étonnant de pas. Il manquait des oies, mais ouais, c'est assez étrange qu'il n'ait pas récupéré ses sangliers. Justement, ça lui aura permis peut-être de cliquer Féodal aussi. Mais en tout cas, GG. C'est une strat qu'on voit très peu hein, sur Fishbich, mais je pense que c'est une très très grosse strat. Go qu'on voit très rarement, mais intéressant en tout cas de les voir sur cette carte. Et le BO avec Lituanien aussi qui permet de faire un drush. Très très tôt, mais quand même avoir un coin de bûcheron et un moulin de disponible, c'est assez fort. Mais du coup, ça nous fait un 2-0 en faveur de John Locke. On va retourner sur cette draft. Hop, on a l'ID de la prochaine game. On va juste cocher les civilisations qui ont été choisies. Donc on a pique lituanien et on a pique go. Et la dernière HM qui est Coast to Mountain. Alors je suis très curieux de voir quelle civ va pique, c'est Salette. John Locke, je pense qu'on aura chinois, ouais. Chinois sur Coast to Mountain. Pas Coast to Mountain, pardon, sur. African Water, c'est pas anodin vu qu'on a la chasse très proche et on commence avec plus de villageois. Donc je pense qu'on risque de pique chinois pour ce joueur John Locke. Et c'est Salette par contre. J'ai vraiment du mal à savoir quelle cible va pique. Hein, parce que je pense que Tata il la garde quand même pour Arabie. Espagnol, je dirais que c'est pour. Coast to Mountain. Du coup, il va prendre Kouman. Ça se trouve, il a préparé une grosse strat avec Kouman sur African Waters. On va être surpris. Mais déjà, je serais surpris de voir cette civ. Peut-être avec un push bélier au féodal. Ah là là, ça nous vendrait du rêve, ça. Que ça nous vendrait du rêve. Par contre, j'aimerais bien trouver la partie tout de même. Ok, on a la partie. Hop, hop, hop. Et on a bien Kouman. Par contre, c'est Malien qui a été pick pour ce joueur. Pour John Locke, pardon. Donc, Sen. Hop. Et hop. Donc, ça sera Malien contre Kouman. Curieux de voir ce qu'il va faire avec Kouman. Avec Malien, on aura peut-être envie de dock, vu que les bâtiments coûtent moins cher en bois. Ça permet de poser très rapidement un port. Ça peut être intéressant. C'est comme j'ai dit plus tôt, c'est quand même des ressources en plus. C'est celle qui a fait déjà sa transition au bois, alors qu'il n'en a que 4 à la nourriture. Très curieux ça. Très curieux, mais en tout cas il arrive à prendre en continu pour le moment. Après, c'est vrai que la chasse se fait plus rapidement.
n'aura pas de tentative de lame pour les deux joueurs. C'est quand même très risqué de lame sur cette carte. Sachant qu'on n'a pas go de côté, donc bon. Du coup, ouais, on va faire un port côté John Locke. Là, vous voyez un petit villageois pour le construire. Pareil pour ses salettes, qui va construire son port maintenant. Qui apparemment travaille un bon BO là, avec 4 à la nourriture au début, ensuite une transition très rapide au bois. Donc intéressant les BO que nous fait ce joueur. Bon, les starts African Waters, hein, c'est comme un petit peu toutes les starts quand ça ne lame pas, donc bon, ça va être tranquille pour cet âge sombre. Ça va être tranquille. Niveau villageois, on a un petit avantage côté Cessalette qui sort son premier fiche en premier. Donc il a un léger avantage, on va dire. John Locke, lui, qui va affiche maintenant et qui fait quelque chose de très intéressant, c'est que vu qu'il y a des arbres juste à côté, il va juste tuer avec un péon pour récolter la nourriture et qu'il aille jusqu'au forum tout seul. Je pense pas qu'il fasse les allers-retours, c'est juste pour que son villageois travaille quand même. Et pour optimiser les déplacements, comme on dit. C'est ça, l'aide qui s'apprête à cliquer féodal. Est-ce qu'il aura les ressources suffisantes, pardon, pour pouvoir cliquer? Ça me paraît quand même compliqué. Quoique non, je dis des bêtises, il pourra cliquer féodal. Côté John Locke, on pourra cliquer aussi si on fait métier à tisser. Ils ont certains mis leur scout en auto. Peut-être pas en vrai, vu qu'il y a quand même pas mal de drapeaux. Je sais plus si les drapeaux s'affichent quand on met un auto scout ou pas. Bon, en tout cas, John Locke qui a vu le port normalement. Ouais, il a vu le port, donc c'est quand même une bonne information ça. Et c'est Salette, est-ce qu'il a vu le port de John Locke? Il ne l'a pas vu pour le moment en tout cas. On a cliqué féodal du coup pour les deux joueurs avec un léger avantage pour le couman. Il n'y a pas de caserne pour les deux joueurs, on a fait un petit peu d'or. Mais ouais, très curieux. On est en train de poser un deuxième dock pour ce joueur malien. Mais on n'a pas de caserne. C'est quand même pour les deux joueurs. En tout cas, je ne la vois pas. Et on va. Mais non. Il va TC rush. Mais ce grand fou. Il va TC rush avec Kouman. Là là. Incroyable. Et vu que c'est Kouman, le TC, ça met quand même beaucoup de temps à pop.
Mais incroyable, en tout cas, on a la baraque qui est posée pour John Locke. Et vu qu'on a quand même pas mal de fiches aussi pour ce genre Kouman, on est plutôt à l'aise niveau nourriture, il peut produire sur ces deux forums. Donc en même temps qu'il teste ses rushs, il boom derrière. Extrêmement intéressant, on va poser une archerie et une forge. Côté John Locke qui veut passer château. Non, quand même pas. Quand même pas, en tout cas on a l'information de l'archerie côté ses salettes. Et on va perdre son premier forum pour John Locke, qui va devoir le refaire un petit peu plus en arrière. D'ailleurs, on a Doc au même endroit pour les deux joueurs. Mais par contre, ses salettes, si, il le voit, ses salettes, mais malheureusement, il n'a pas réagi. Est-ce que même il a l'économie pour? Il détruit pas le TC? Quelle est l'utilité de faire ça si on détruit pas le forum après? Mais on va rush une tour sur sur son bois pour se protéger. Une bonne tour qui va à la fois protéger le bois et l'or. Donc une tour très importante à faire. En train de full up ses archers, on a déjà le plus 1 d'attaque, plus 1 de défense, la tour qui est posée. On pose aussi une caserne très rapidement. Et c'est Salette qui est complètement idle. Ok, on a enfin détruit le forum de John Locke. Donc du coup, déjà niveau ville, on est un petit peu mieux. On recourse son forum un petit peu plus en arrière pour John Locke. Et on va faire une écurie. Mais on n'a pas beaucoup de nourriture quand même pour pouvoir sortir des scouts. Ça peut être assez compliqué. Que ça peut être assez compliqué, surtout qu'il a perdu l'eau en bas. Et il nous restait quand même deux sangliers pour ce joueur Kouman. Qui nous reste quand même deux sangliers, donc c'est quand même pas mal de nourriture en plus là, gratuite. Par contre, on a les archers qui vont quand même être assez embêtants. On va chercher le prochain lac côté malien. Et on va poser un dock sur le lac de ces salettes, mais c'est vu par ces salettes qui a posé des avant-postes. Très intéressant ça. Ces avant-postes. Kouman qui vont permettre de voir le port. Pardon pour les coudes sur le micro. On a cliqué château pour John Locke. Eh bien, château qui est cliqué, on va rush une forge. Mais par contre, il y a les archers qui vont être présents et qui vont empêcher cette pose de forge. On va s'y sniper un villageois, peut-être deux. En tout, on va réussir à sniper deux villageois, on a 41 villageois avec 38. Et on finit bientôt tous ces rhinocéros. On va essayer de poser une autre tour, on a des scouts qui sont en train d'être sortis. Mais on a quand même pas mal d'archers pour pouvoir gérer ces scouts. Et comme on a dit, les archers qui sont présents, qui sont full up. On a sorti quelques tirailleurs, mais pas malheureusement, c'est des tirailleurs qui n'ont pas de tech de la forge. Donc bon, c'est des tirailleurs qui vont tomber très très vite. Et est-ce que ça va être le GG arrivé château? En vrai, c'est possible, hein. C'est possible. Même si on a deux TC.
Peut-être tenter un full féo côté Kumon. Mais sinon, je vois très très mal ces salettes arriver à tenir. Ce château, on vient de passer château, on fait crossbow plus le plus 2 de défense. Et on fait un atelier de siège. C'est très logique. On fait un atelier de siège pour pouvoir push ces forums qui n'ont pas vraiment de défense. Et on a trois lacs sous contrôle. On a essayé de dock pour ses salettes le lac de John Locke, mais ça va. John Locke a pas trop surinvesti sur celui-ci, il a que 4 fiches. C'est largement suffisant. Par contre, les archers de ce joueur malien qui se sont fait entièrement clean. Et on va continuer à poser des tours en défense. Tant qu'ils vont bien tenir quand même le siège. Mais on va se faire push un forum et on n'a pas vraiment de défense. Et on a repris cette eau. Côté John Locke, du coup, on va perdre tous ses fiches pour ses salettes. Et ça peut être très très compliqué cette histoire. Il n'a plus du tout d'apport en nourriture. Et il se fait push un TC. Par contre, attention à pas laisser son Mangono tout seul non plus. Ok, il vient de le voir. Par contre, ouais, il a dû faire une patrouille. Du coup, ça a focus le TC. Et on refait un bélier pour descendre ce forum plus rapidement. Et je pense que c'est GG en vrai là. Que c'est GG. Et c'est cool. Et c'est un 3-0 pour John Locke. Eh ben dis donc, bon au moins ces salettes aura tenté quelque chose là. Il aura tenté quelque chose avec Kouman. Bon. Je suis pas convaincu à 100% que ça marche. Mais au moins, on a vu du beau jeu. Et ça, c'est bien. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir du beau jeu. Donc, moi, je vais m'arrêter là pour ce soir. Parce que je vais aller faire dodo. On va se retrouver demain matin. Normalement, si je dis pas de bêtises. Et je crois qu'il y a toujours Gruntor qui est présent. Merci du follow Pitoun86. Et on va aller le host. Qui doit caster aussi une game. Alors, que je dis pas de bêtises. Eh ben de rien, c'était sympathique votre BO. Même si c'est vrai que sur toutes les cartes, on a vu que t'étais un petit peu meilleur que ton opposant, mais la African Waters là, ça nous a régalé le TC Rush avec Kouan. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça sur une carte. Donc ouais, c'était sympathique à regarder. Alors, est-ce que Gruntor stream encore ou pas? Oups. Pas la bonne chaîne. Ouais, il stream encore, donc on va aller le host. Encore une fois, ouais. Et game très sympathique à regarder. Du coup, moi, je vais vous faire des bisous. Ouais, c'est là. Je vais vous faire des bisous et on se dit... Bah demain matin normalement, s'il n'y a pas de problème. Donc à la prochaine, des bisous, plus plus.